Ok, salut à tous et bienvenue dans cet épisode 2 sur l'Herrera. Bon, bah écoutez, je suis toujours à mon lieu de... J'ai grandi tout simplement. Alors l'objectif, ça va être d'essayer de se trouver le troupeau. Ah bon, ça va être compliqué, hein. Ok, là-bas il y a un truc que je vais devoir bouger. Et pour essayer de chasser un peu à travers le troupeau ou quoi, je sais pas. Ah, ce serait cool d'essayer de faire ça en vrai. Ouais. Ça serait plutôt sympathique. D'essayer, ouais, de faire du gameplay après, Herrera. C'est-à-dire mode charognard, mode. Mode chasse de hatchling ou de juvet, hein, pourquoi pas. Ok. Bon, il doit pas être très vieux, lui. Il doit pas être très vieux. C'est Maya. C'est Maya qui s'est fracassé la tronche, j'ai l'impression. Alors, soit il est là-bas le troupeau. Soit il est par là-bas. Soit il s'est barré complètement. Parce que dans tous les cas, lui il est mort il n'y a pas très longtemps. Sinon son corps aurait despawn. Il y a Maya là. Ok. La Maya, je pense que c'est un peu costaud, hein. Je peux pas l'attaquer. Je peux pas l'attaquer, hein, les gars. C'est trop fort pour moi. Je rappelle, là, j'ai que 50 newtons de beat force. Autrement dit, je ne lui fais rien. Par contre, je cours beaucoup plus vite que lui. Il doit y avoir une possibilité de le tuer. Alors, évidemment, hein. Évidemment, évidemment. Mais le problème, c'est que... Le problème... C'est qu'il peut me lui one shot, je pense déjà pour commencer. Je pense que lui me one shot. C'est quoi ça? Ah, mais c'est un petit. On va peut-être essayer de se le faire du coup. C'est un petit, on va essayer. On va essayer. J'espère juste que je vais pas crever. Oh putain, y'a maman. Ok, beaucoup plus compliqué du coup. Ah merde. Merde. Merde, merde, merde. Fais chier, putain, tout seul, ça aurait été tellement bien. Mais ouais. Là, contre la mer, c'est trop dur, quoi. C'est trop dur. Surtout que les rages, je le gère pas trop, donc... Très compliqué, hein. Qui vont me ramener au troupeau, je sais pas. Je sais pas trop, hein. Pas trop, les gars, là. Ouais, j'sais pas trop. J'ai croqué, je l'ai croqué. Il saigne. En vrai, je suis tellement rapide que je suis quand même emmerdant pour eux. Suis très embêtant. Il est où, baby? T'as raison de parler. Viens là. Viens là, viens là, viens là. Ouais, y en a d'autres. Y a tout un crew de Maya. Ok. Vas-y, on n'est pas fou. Rendez pas fou, j'ai dit. Oh, y'a un galimumus. J'ai dû le mettre mal en vrai, je pense, hein. Mais bon. Le truc, c'est que là, les adultes, c'est trop fort, quoi. C'est beaucoup trop fort, hein. Ah, mais il est là, le troupeau.
Mais je l'ai tué! Bah voilà, bah c'est bon, mais rendez pas fou alors. Bah désolé, hein, mais bon, au bout d'un moment. Bah voilà, je l'ai tué, j'ai réussi. Bah je pense qu'on peut tuer des juifs comme ça. Mais les gros. Alors je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable, les gros. Hein. Mais très dangereux quoi. Très dangereux parce qu'ils one-shot. Je pense qu'ils one-shot. Hein. Ils font tellement mal à une Uta qui fait le double du poids de ce truc là, là. De Herrera. Donc je pense qu'ils one-shot. Mais je pense que j'ai quand même une possibilité de les tuer. Mais il faut gérer les Rera, et j'en suis très loin, très très loin de gérer les Rera. Je rappelle, c'est la première fois que je le joue vraiment, pour de vrai quoi. Je vais essayer de faire un peu le gameplay avec ce truc là, mais ça va être chaud patate. Bref, bah écoutez, ça commence bien cet épisode. Un petit Maya là. Vraiment des victimes ces trucs. Ok, bon j'ai fini mon Maya, j'ai bougé. Juste là, qui est derrière de l'autre côté en contrebas. J'ai entendu un petit truc crier, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il y aurait moyen de manger un autre truc. Je sais pas, hein. On va voir. On va bien voir, on va bien voir tout ça. Ouais, c'est bon. J'ai régène, elle boit un coup. En fait, faut boire assez régulièrement avec ce dino. Parce que sinon, t'en as pour 15 ans, quoi. T'en as vraiment pour 15 ans à boire. Go pas attendre d'avoir trop soif pour boire, en fait. Sinon, c'est relou. Et ici, j'ai entendu un petit truc. Alors, peut-être un petit carnot, je sais pas. Ah là là, il y a des trucs. Il y a deux carnots, ouais. Il y en a un qui a l'air plus gros que l'autre. Je sais pas trop. Je sais pas trop. On va rester en embuscade pour l'instant. On va peut-être attendre qu'ils aillent boire en vrai. Pour les prendre par surprise ou s'ils se rapprochent trop, je sais pas. Ouais, j'ai un peu faim quand même. 86%. Là, j'ai. Grosse dalle, hein, obligé. Obligé, obligé. Hein. Compliqué quoi. Le truc, c'est que plus le temps passe, plus ils grossissent. Je te vois, toi. Hein. Genre, comment il fait pour voir que je suis là en vrai? Vas-y, on va buter le Juvi. C'est vraiment tendu quand même. C'est vraiment trop tendu. Non, en vrai, c'est trop tendu. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est trop. 3 carnons là les gars, j'ai quand même un Herrera, hein. Je tiens à vous le dire. Je tiens à vous le dire, c'est pas possible. Faut que je me barre d'ici en vrai. Faut que je change totalement de territoire. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Je me casse. Il y a un Juvirex. Wesh. Yo le Juvirex. Je vais te bouffer. Si je peux passer. Oh, il a l'air gros quand même. Il a l'air gros le bro. Et il est tout dans un endroit de merde en fait. Yo le Juvérex, vas-y viens dans un endroit un peu plus agréable et je te graille. Qu'il est? Il est là. Il est gros hein. Oh il est gros le bagnard. Il est gros, 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 il est gros. Trop chaud quoi. Je sais pas si je l'ai croqué une fois. Mais en vrai, bah, je suis beaucoup plus rapide, je peux le faire bleed en fait. Hein, en vrai. En vrai, je peux le faire bleed. Faut juste pas que je fasse de conneries. Le Juvirex régène très difficilement du bleed. Donc il est où? Il est là. Viens là, viens là, viens là, viens là. Je crois que je l'ai croqué là. Rien qu'en marchant comme ça, je vais plus vite que lui. Quand il court. Wesh le giga, hey, il est à moi lui, qu'est-ce que tu veux là? T'as raison, cours. C'est vraiment le gameplay qu'il faut avoir contre moi, courir. Me courir après, t'es sûr de gagner là. En vrai c'est chaud hein. C'est chaud parce que je vais tellement vite en fait. Qu'est-ce qui trame le giga? Viens là! Eh, s'il me touche, je suis KO. Hein. Eh, franchement, c'est une épopée ce. Rien que de tuer un putain de jeune Rex là.
Qu'est-ce qui se trame? Je lui ai fait zéro dégâts pour l'instant, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'ils se disent? Allez, 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 rien à foutre. Mais qui en fout là? Allez, je tente mon délire, hein. Attaquer un Juvérex. Il saigne toujours? Ouais, il saigne toujours. Faut que je fasse marcher en vrai. Après, j'accélère tellement vite, en fait. Après c'est dangereux hein. Mon accélération dans des pentes comme ça, je peux m'envoler à tout moment. Je peux m'envoler à tout moment, wesh. Et le combat s'arrête hein. Parce que le Rera ne s'est pas volé, il s'est pas atterri non plus. Par contre le Rex, zéro dégâts quoi hein, pour l'instant. Sachant que lui je pense que il peut moins, enfin pas moins de shot, mais en gros il me touche ça sera clairement la merde pour moi. Hein. Ça sera clairement la merde. Tu veux pas crever un peu? Je sais pas. Faut que j'attaque en parallèle. Non, mais c'est pas sérieux quoi! Ah mon dieu! Deux de bleed. Terrible. Bon, faut que je lead, faut que je le tue quoi. Je vais crever. Aïe!